L'arrivée vers un ring d'Ultimate Warrior que j'ai décidé de vivre dans le silence. Donc, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, puisque comme vous le savez, il y a... Du coup, je ne sais pas quand est-ce que quand cette vidéo sortira, mais... Donc, c'était quand? C'était le... Voilà, c'est bon, je suis perdu dans les dates. C'était le... 8, si je ne me trompe pas, le 8 avril 2014. Ultimate Warrior, tout juste intronisé dans le Hall of Fame de la WWE, vous le savez, nous a malheureusement quitté à l'âge de 54 ans. Donc évidemment, c'est un choc pour tous les fans de catch parce qu'on l'a vu, on l'a vu tout récemment, quoi. On l'a vu à son intronisation au Hall of Fame, on l'a donc vu à WrestleMania, on l'a vu le lendemain soir à Raw pour un discours, et donc il nous quitte peu de temps après. Évidemment, le plus malheureux dans cette histoire, c'est qu'il n'avait que 54 ans. Et qu'il a quand même une femme et deux enfants. Donc voilà, ça a été une semaine un petit peu morose hein, pour les fans de catch avec cet événement. Donc cette vidéo, c'est tout simplement un petit match pour honorer en quelque sorte la mémoire d'Ultimate Warrior. Donc pour le type de match, enfin le match que j'allais faire, j'avais quelques idées, je prenais le temps de la réflexion, mais quelqu'un entre temps sur Facebook m'a proposé donc ce match face à Ric Flair dans un match Hell in a Cell. Et puis je me suis dit bon, je prends en considération, je mets ça du côté des idées, puis j'ai regardé un petit peu avec mes idées, puis je me suis dit bon allez après tout ce match là est pas trop mal. J'avais d'autres idées, mais j'avais des idées de match par équipe, et je préférais un match... en individuel, et donc ce match qui m'avait été proposé, eh bien répondait à ce critère essentiel. Oula, c'est pas vraiment un hommage ça, monsieur Ric Flair, c'est pas vraiment un hommage. Donc j'ai laissé Ultimate Warrior faire son entrée, courir vers le ring. Je n'ai pas prononcé de mots car pour voir, revoir ce grand personnage, parce que c'est un personnage qui avait un sacré caractère, hein. Je le connaissais pas énormément, évidemment. Je connais les très très grandes lignes de sa carrière, comme par exemple sa victoire à WrestleMania 6 face à Hulk Hogan pour devenir champion WWF à l'époque. Mais il suffisait pas de beaucoup de temps pour savoir que c'était quand même un personnage qui avait un sacré caractère. Et bon, malheureusement, il nous quitte déjà. Vous savez, dans un monde idéal, tout le monde partirait à plus de 90 ans, presque 100 ans, en étant très vieux, très très serein, très paisible, ayant bien vécu, ayant fait son temps et partant sans regret. Et là, 54 ans, bah, on est tous d'accord pour dire, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour partir. Ça me fout un petit peu les jetons parce que mon père est pas loin d'avoir cet âge-là. Enfin, il a encore du temps quand même, il a 52 ans. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas très loin. Donc, moi, franchement, je pense notamment à sa famille, hein, enfin, à ses enfants. Moi, si mon père mourait dans 2 ans, je serais dévasté, hein, forcément. Bref, nous sommes ici, mesdames et messieurs, pour honorer la mémoire d'Ultimate Warrior. On fera peut-être ça avec d'autres superstars ou managers. Parce que je me souviens que il y a quelque temps, enfin, c'était quand c'était... Oui, quand est-ce qu'il est décédé, Paul Bearer? C'était il y a un petit peu plus d'un an, je crois. J'avais pas fait de vidéo pour Paul Bearer, c'est vrai. Bah, il serait temps peut-être de le faire revenir dans une vidéo. Et d'ailleurs, non, je vais pas l'annoncer dans cette vidéo-là, ce sera pour... j'annoncerai ça dans une autre vidéo de catch, mais j'ai un concept de série que je pourrais lancer donc bientôt. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. J'avais beaucoup de petites idées qui vagabondaient dans mon esprit. Et j'en ai trouvé une qui m'a l'air quand même vachement sympa. Je ne vous en dis pas plus. Mais ça permettrait entre autres de faire revenir Paul Bearer. Bon. Je pense que c'est un petit indice du coup. Évidemment, je vous en dirai plus. Si ce n'est pas déjà fait dans une vidéo qui serait sortie avant celle-là. Mais que je n'aurais pas encore enregistré au moment où je parle. Allez, Ultimate Warrior qui est en train de dominer Ric Flair. Allez, on va se faire un premier Gorilla Press. Pas du tout. Pas du tout. Ric Flair qui a
à contrer. Et on va tenter le tomber. On va tenter le tomber parce que n'oublions pas, il a sa révolte. Ce serait bien de l'obliger à s'en servir avant de faire un Gorilla Press. Enfin, de retenter un Gorilla Press, pardon. Ça garantirait une victoire dès la première tentative. Allez, nous sommes maintenant sur cette troisième corde avec Ultimate Warrior et Ric Flair. Et boum, voilà. Superbe superplex porté par le guerrier. Dont le discours était à Raw, était assez, assez émouvant. Et j'ai vu un extrait de son discours pour... Ouais, c'est bon, c'est contré. Hein. pour son intronisation au Hall of Fame, cette grande phrase, l'extrait était bien choisi rien que pour ça quand même. Cette phrase incroyable. Attention, attention. Ouf. Ouais, je t'ai vu venir, hein, mon petit Rick. Il avait dit « The Ultimate Warrior is a legend and the... » Attends, que je me trompe pas. Bon, je vais peut-être me tromper. « And the Ultimate Warrior fans are legendary. » Donc justement, il reparlait en quelque sorte de ça dans son discours à Raw. Comme quoi, c'était les fans qui faisaient les légendes et que comme... tout comme lui, les fans allaient faire d'autres légendes. Avec, évidemment, là, les superstars qui représentent l'avenir de la WWE. Allez, on va peut-être terminer ce match déjà, vous me direz peut-être, mais... oh tiens, je savais pas qu'on pouvait faire ça directement, sans prendre d'élan. Eh bien, maintenant, je le sais. Et voilà, c'est terminé. La vidéo n'était pas non plus censée être... Enfin, elle n'est pas destinée à être super longue. C'était juste histoire de faire un match pour... Bah, l'occasion pour Megalon de prononcer quelques mots pour le guerrier qui... a dû se précipiter vers les portes du paradis lorsqu'il les a aperçus, tout comme il se précipitait vers le ring lorsqu'il en apercevait les cordes. Donc voilà, c'était quelques mots pour exprimer mon chagrin pour cette perte, pour évidemment la WWE, les fans, et évidemment la famille, on n'oublie pas. Donc un match court, mais un match victorieux pour le guerrier qui nous a quittés. Bon, désolé pour Ric Flair, hein, du coup, qui fait les frais de cet hommage. Mais non, c'est un honneur d'avoir été dans un match pour honorer la mémoire du guerrier ultime. Bien. J'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu, enfin, est pas vraiment faite pour plaire, elle a été faite, hein, évidemment, pour un hommage, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je souhaitais faire, quelque chose que certains d'entre vous, d'ailleurs, souhaitaient me voir faire, et donc c'est fait, donc j'espère que cet hommage aura été à la hauteur de ce que je pouvais faire, voilà. Donc on se retrouve évidemment pour d'autres vidéos et pour un petit peu plus de joie, mais évidemment on n'oubliera pas Ultimate Warrior.